renforcer les connaissances et les capacités des fonctionnaires exerçant dans la commune et la sous-préfecture d'Assuéfri en matière de droits et obligations des fonctionnaires. Tel est l'objectif affiché de la conférence animée par le directeur régional de la fonction publique de Bondoukou ce vendredi 3 juin 2022 au sein du foyer des jeunes d'Assuéfri. Cette conférence, suscitée par le sous-préfet d'Assuéfri, M. Laurent Kouassi, a permis aux fonctionnaires présents d'être mieux éclairés sur leurs droits en tant que citoyens et fonctionnaires. Entre autres, la liberté d'expression, la liberté syndicale, les congés, les autorisations d'absence et permissions spéciales, la protection civile, les avancements et les promotions. En matière d'obligations, le directeur régional de la fonction publique a insisté sur l'obligation d'assurer le service, l'obéissance hiérarchique, la discrétion, la probité et l'impartialité. Autant d'informations qui réjouissent les fonctionnaires et renforcent considérablement leurs connaissances. Il faut dire que, à travers les questions qui ont été posées, je pense que la majorité des fonctionnaires maîtrisent leurs droits et obligations au niveau de l'administration dans laquelle ils exercent. Notamment, il faut dire que le directeur régional nous a enrichi de beaucoup de paramètres au niveau de la fonction publique que certains ne maîtrisaient pas. Aujourd'hui, nous sommes aguerris et en tant que chef de service, nous pensons qu'à partir de cette conférence-là, nous pouvons maîtriser la réalisation de nos activités. Des échanges directs entre les fonctionnaires et le directeur régional de la fonction publique ont permis de faire la lumière sur beaucoup de confusions, ce qui rassure davantage le directeur régional sur la nécessité de ce genre de rencontres. De façon générale, nous avons été heureux de la mobilisation et ça, nous en sommes très reconnaissants, monsieur le sous-préfet, au chef des services. Ensuite, la participation des fonctionnaires a été très franche, directe. Ils ont exposé leurs problèmes sans faux fuyant. Nous aussi, nous pensons avoir été à la hauteur de la réponse que nous leur avons donnée parce que, au regard des remerciements que nous recevons en aparté, nous partons satisfaits d'avoir eu une rencontre fructueuse. Pour le sous-préfet, c'est tout simplement un satisfecit général, tout en espérant que les fonctionnaires feront un bon usage des informations reçues. Je voudrais encore une fois remercier M. le directeur régional de la fonction publique qui a bien voulu répondre à notre invitation pour venir entretenir les fonctionnaires et agents de l'État sur leurs droits et leurs obligations. La conférence s'est bien déroulée et je pense que les fonctionnaires ressortent vraiment satisfaits de tout ce qui a été dit au cours de cette conférence. Ces gens d'initiative, on va les renouveler pour renforcer davantage les capacités des fonctionnaires et agents de l'État en service à Assuéfri, pour que dans leur mission de service public, ces agents soient conscients du rôle et de la mission que l'État a bien voulu leur confier pour le bien-être des populations et la sous-préfecture.